J'avais tort de croire que la religion et l'argent étaient la source de tous les problèmes sociaux. Parce que oui, pendant longtemps, j'ai cru que surtout la religion était le problème principal. J'ai été dans une église chrétienne quand j'avais... Enfin, jusqu'à mes 11 ans, pardon. Et j'ai mis la faute, en fait, sur les personnes qui ont essayé de m'inculquer des valeurs qui n'allaient pas dans le sens de mon identité profonde. Et j'ai commencé à faire des généralités par rapport à toutes les religions. J'étais convaincue que les personnes qui étaient dans la religion n'avaient pas d'avis propre, que c'était forcément l'avis de quelqu'un d'autre, jusqu'à il y a peut-être 2-3 ans, lorsque j'ai connu une personne qui m'est très chère, qui m'a initiée, entre guillemets, à la spiritualité, c'est-à-dire à la quête de l'existence, à pourquoi on est là, pourquoi on vit, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, est-ce que ça existe, en fait, le bien et le mal. Et quand j'ai compris, en fait, que c'était quelque chose qui était propre à chacun et que pas toutes les personnes religieuses partageaient exactement la même spiritualité et pas toutes ne la pratiquaient de la même façon. Alors là, j'ai compris qu'on pouvait avoir foi en quelque chose et avoir des croyances sans être quelqu'un de complètement ignorant.